Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. J'ai choisi deux produits en toile point de croix, forcément VIP Cross Stitch. Ce partenariat était, ils m'ont redemandé si je pouvais, si j'ai accepté, pardon, si j'acceptais de refaire une collaboration avec eux quand je leur ai envoyé ma photo de mon avancée de Madame Licorne. Bon, j'ai accepté. Voilà, donc j'ai accepté. J'ai pu choisir deux toiles. Donc, c'est un partenariat qui a été fait le 1er mars que j'ai reçu le 10. Ça a été rapide hein, quand même. 9 jours entre la confirmation et la réception. Alors là, c'est au topissime. Donc, j'ai choisi deux toiles. Deux toiles en 11CT. Ouais, c'est ça. En 11CT. Et je vais vous dire les prix en dollars. Donc, j'ai juste, moi, ouvert le sac comme d'habitude pour montrer, pour voir de quoi il s'agissait. Puisque je me suis commandé, moi, des toiles et que j'attends. Donc, je voulais être sûre, savoir ce que c'était. Je dois aller chercher un colis tout à l'heure, une toile en diamond painting. Je vous ferai la vidéo, je pense. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, j'ai choisi celle-ci. Je l'ai vue sur une autre chaîne déjà et j'aimais bien le style. Et Mickey Minnie. Voilà, c'est mon petit monde, hein. Disney, c'est mon petit monde. À chaque fois, je dis, il faut que je quitte Disney, enfin, il faut que j'arrête Disney, mais c'est plus fort que moi, il faut que je retourne au Disney. Donc voilà, j'ai pris la main de Mickey et Minnie. J'ai fait montrer à ma petite de 2 ans pour voir si elle reconnaissait, puis elle a reconnu la main de Minnie, grâce au petit nœud. Donc, cette toile-là, c'est une 50-40. 55,40, pardon, elle était au prix de 9,97 $. Je suis désolée, je vous dis les prix en dollars. J'ai pas pensé à regarder en euros, je vous avouerai. Hop. Donc, on va regarder ensemble. Je rangerai après. Alors, dans le kit, nous avons, dans la pochette, nous avons la feuille avec. Bah, le motif, hein, le motif. Voilà. Ensuite, nous avons le patron. Et je vois que, ouais, c'est effectivement pas mal de blocs. Pas mal de blocs, c'est bien. Ça va me changer puisque c'est quand même souvent des confettis. Donc là, 22 couleurs. Ah ouais, quand même. Je me rappelais plus qu'il y en avait autant. 22 couleurs. Donc on a le patron, hein. C'est tout sur feuille. Feuille d'imprimante, hein, papier normal. Et on va regarder ensemble. Tac, tac, tac. J'ai peur. Je, à mon habitude, hop, je vous la mets à l'envers. À mon habitude, je vais replanter mes petites aiguilles en haut. Comme d'habitude, hein, c'est ma petite habitude à moi. Je plante mes aiguilles. Hop. Voilà. Donc la voici, la voilà. Donc on voit bien quand même là que ça fait les mains, hein. C'est quand même pas mal. Alors c'est pas surjeté, mais moi c'est pas grave. Moi je vais le faire à la main. Quand toute la toile sera finie, je découperai un peu pour laisser un petit bord et je le ferai moi-même. Je laisse pas toute la marge là, hein. Des quatre côtés. Là je laisse pas toute cette marge là, c'est pas possible. C'est trop large pour moi, même si après je veux mettre en 4, c'est trop large. Donc je coupe un peu et je surjette moi-même comme je peux parce que j'ai pas de formation couture et on m'a jamais appris à coudre, donc je me débrouille de moi-même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors le 17, ah oui, c'est tout ça, d'accord. C'est quoi la référence du 17? 37,50? Ok. Donc on va regarder les couleurs ensemble. Donc on a du 1, forcément. Hein. On n'a pas de Mickey et Minnie sans noir. On commence fort parce qu'il y en a quand même un bon petit paquet. On a du rouge. Du gris.
un petit verre jaunâtre. D'ailleurs, il va aller où lui, le 4? C'est le petit bec. Mon petit bec. Je le vois pas. J'en vois pas. Donc, je vois pas où il va aller. Ah bah, c'est pas grave. Je verrai au fur et à mesure. Pas mal de verres. Le 5. Les traits. D'accord. Ok, je dois en avoir pas mal parce que vu le paquet du gris, du rouge, encore du gris, on a du bleu, c'est laquelle celui-là, 939? C'est ça, du 939, du rose, du marron, un vert. Encore un vert, un marron foncé, du bleu. Celui-ci va être pour le fond en fait. Tout ce que vous voyez en jaune ici, c'est cette couleur-là. Du brick, un petit marron, encore dans le ton marron, encore dans le ton marron et encore du marron. 23 couleurs, franchement, je me rappelais plus, je l'avais vu sur une chaîne, la chaîne de Mini YouTube, Mimi, je sais plus, la chaîne d'Oriane. Je me rappelais plus qu'elle montrait autant de couleurs, 22 couleurs. Ok, donc voici donc Mickey Mini façon fiche publicitaire. Moi, je l'appelais publicité, étoile publicitaire. Ça me fait penser à une fiche publicitaire. Donc voilà, en 55 par 40. Donc, ça va être plutôt sympa à faire. Je vais hop, sécher comme ça. Hop. Voilà, je vais remettre dans mon plastique après. Parce que j'aime bien marquer, me rappeler où c'était et me marquer d'où ça vient. Et la deuxième toile qui est la petite sirène, l'ombre de la petite sirène. J'ai déjà la fée clochette comme ça. Mais j'adore Disney, mais il y a trois dessins animés que j'aime bien. C'est la clochette, la petite sirène et le royaume. En plus de Mickey et Minnie, forcément. Mais c'est vraiment les trois choses que j'aime bien. Donc c'est une toile aussi en 40-55. C'était toujours. Hop, j'ai fait tomber mon petit kit. Donc le plastique, il est là. Cette toile-là, elle était au prix de 12,71 $. Voilà. Donc, on va regarder. Donc, là, quand vous voyez ça, vous vous doutez bien que je vais avoir beaucoup de noir. Le noir ou 939. Donc, on a le petit kit. Alors, le petit kit, je le laisse tel qu'il est. Moi, la seule chose que je récupère et que je vais aller ranger avec les autres, c'est mes petites canettes. Voilà. J'en ai acheté là sur internet, sur Ali, et je les ai mis en sac congèle en attendant qu'elles se remplissent. Donc on va regarder les couleurs après, on va regarder ça après, on va regarder. Alors c'est, ah, c'est sur du papier glace là, waouh. Ah là, ils ont fait Big Patron là. J'ai tout sur la même feuille. J'ai pas de feuilles, de petites feuilles à part. Tout est sur la même feuille. Donc moi, ce que je ferai, c'est, je pense que je découperai là, puis, afin de garder ma petite image pour mettre sur ma boîte. Mais voilà. Donc là, vous voyez en grand que je vais vraiment manger beaucoup de noir. Donc c'est bien, ça va me faire des gros blocs. C'est bien. Donc, 30 couleurs. Ah oui. C'est plutôt bizarre, des fois quand on voit l'image, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir autant de couleurs. C'est une grande surprise. Elle est grande, hein? Voilà. La voici, la voilà. Le rouge, ça va être du 321. Du rouge. Bah, le rouge va rester rouge quasiment. Ben non, ils m'ont mis du noir. 321. Ah non, 4. Non, c'est du rouge. Non, je regardais le 3. Je regardais pas la bonne référence, forcément. Je regarde pas la bonne référence, ça va pas aller.
Regardez tout le noir. Une, deux, trois, quatre. J'ai pas vu les aiguilles. Ah bah oui, c'est normal que j'aie pas vu les aiguilles. C'est dans le kit. Fais ma bébête. Hop. C'est emmêlé. Ah, c'est emmêlé. J'ai deux couleurs. Voilà. Deux couleurs qui se sont emmêlées. Hop. Ok. Ouais, donc le 3, en fait, ils m'ont mis. Ils ont pas voulu m'effrayer, ils ont mis qu'un fil. Donc on a du violet. On a du vert. Bah mon fameux noir. Hein. Donc j'ai encore tout ça ici. On a du rouge. Encore du rouge. Du vert. On reste sur du vert, du bleu, un rouge limite orange, il est beau celui-là, le 9, 9, 9, 9, le 606, du blanc, du bordeaux foncé, du bordeaux clair, encore du bleu, un bleu gris, on reste dans les tons bleus quand même. Hein. Vous voyez, encore. Là, il est emmêlé. Non, c'est bon. Du vert. On va partir de l'autre côté. Du bleu. Encore du bleu. Encore. Un marron. Voilà, un bleu. Le gris, du rouge, du bleu, un bleu clair, voilà. Ça va être sympa les couleurs. Ça doit être du 38-65 celui-là. Ouais. Ça va être sympa les couleurs. Je pense que ça va bien donner en plus avec les. La queue de la sirène, ça fait un peu tribal à moitié. Donc, je vais. Déjà, il faut que je finisse ma femme licorne. J'aimerais avancer mes deux autres projets que j'ai à côté. Hop. Ça fait déjà 2-3 jours là que j'ai pas fait de point de croix. Je vais voir ce week-end. Je vais la replier. Comme ça. Voilà. Donc voilà, donc c'était un unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos du site et des produits, ainsi qu'un code promo de 5%. Comme ça, si vous voulez y passer une petite commande, vous pouvez avoir 5%. C'est toujours bon à prendre. Ça paye quasiment les frais de port, je crois, de mémoire. J'avais regardé, ça payait les frais de port quand. Hop, ça et ça. Voilà, donc moi il me reste plus qu'à noter ma petite boutique d'où ça vient et d'écrire les 11 CT, 14 CT, mais c'est que des 11 CT. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt. Bye!